never find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Zelas Ennis. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui on va tourner un vlog, ça va être le leg day aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus à me demander mes entraînements. Donc du coup bah, je vais le partager avec vous. Et donc vous allez voir dans cette séance leg day ce que en général n'aime pas trop les gars. Ouais, parce que généralement les mecs préfèrent travailler les pecs, ça c'est connu pour tout le monde. Hein. Apprends rien, mais alors que les legs, que le leg c'est ce qu'il y a de plus important pour avoir des gros pecs. Ça peut paraître bizarre comme ça, dit comme ça, mais faut pas oublier que le leg day, enfin que le travail des jambes, ça représente quand même les jambes 70% de votre masse musculaire. Donc faire les jambes ça booste la testostérone, c'est super important de travailler régulièrement, tous les 5 jours c'est bien. Donc si on a des gros pecs, il faut travailler les jambes. Il y a souvent des gars qui me disent font les jambes une fois par semaine, on a même une fois par mois, on a même jamais. C'est une grosse erreur dans votre volonté de vous construire le corps que vous souhaitez. Si vous voulez des gros pecs, faire deux fois les jambes. Pourquoi deux fois? Si ça représente 70% de votre masse musculaire, c'est ce qu'il y a de plus gros qu'il faut travailler le plus. Pas les pecs, ils sont les muscles, il n'est pas le muscle qui est le plus gros du corps. Donc on va passer un petit moment ensemble dans ce leg day. Vous allez me voir souffrir. Et j'espère qu'on va passer un bon moment et on va apprendre plein de choses ensemble. Donc moi je continue ma marche, je m'échauffe et après c'est parti. Ouais, c'est tout déchiré ensemble. Ouais, c'est juste une torture. C'est là qu'on fait l'essentiel de sa masse musculaire, sur son exercice polyarticulaire. Il faut vraiment se donner à fond, toujours porter lourd. C'est le secret pour créer de la masse musculaire. Quand je dis lourd, c'est-à-dire que les trois dernières, on va être l'enfer. C'est ça quand je dis lourd. Donc là, je suis sur les séries de 10 et 8 à 440 kg. On va y avoir 4 séries à peu près. C'est suffisant pour un exercice polyarticulaire, parce qu'il y a d'autres exercices qui vont venir derrière. Mais voilà. Puis moi j'aime beaucoup la presse. C'est un exercice sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Vous voyez, c'est déjà ça, là, c'est ma deuxième série. Et je transpire déjà à bord. Ça montre que ben, porter lourd, ça demande beaucoup de calories au corps et beaucoup d'énergie. Donc si vous voulez brûler du gras, travailler à fond, c'est sur le lourd. Pas vraiment sur le léger. Voilà. On continue, bien à fond, on lâche un fond du combat qu'on a contre les machines. Get ready to lose to the throne. This time last year.
montre, il faut toujours dominer les charges, pas elle de nous dominer. Faut toujours les surmonter. Même si c'est dur, faut forcer. Faut forcer. Il n'y a que ça qui compte. Il y a comme étant le muscle sous stress, sous tension permanente, qu'on l'oblige à réagir. Donc ouais, c'est dur, mais on est là pour souffrir. S'il n'y a pas de différence entre ce banc et votre canapé, si vous ne donnez pas assez, on va sortir épuisé de la salle. C'est ça le souci. Donc moi, je vais continuer, il m'en reste encore une. Je vais décharger de 20 kg de chaque pour continuer ma soulevée lourd le plus longtemps possible. Surtout que c'est le début. Donc, je vais passer de 440 à... Là, je suis à 400. En série de 12, là. Là, je vais travailler le muscle différemment et toujours le surprendre. Voilà, on lâche pas et on continue. Les jambes, elles sont détruites. C'est que le premier exercice en plus. Faut oublier la douleur. La douleur, c'est un allié. C'est pas du tout un ennemi. C'est ce qui nous aide à avancer. Donc voilà. Je viens de finir la presse. Je fais le squat bulgare. Un autre exercice qui peut peut-être vous intéresser, surtout pour ceux qui ont du mal au back squat, à descendre bien et à bien rester avec la jambe dans l'alignement des épaules. Donc moi, j'aime bien faire le squat bulgare. Permet de, bah, il est plus adapté à ma morphologie. Donc, pas trop de back squat, plutôt le squat bulgare. Vous allez voir le prochain exercice. Un excellent exercice comme alternative au back squat notamment. Parce que back squat, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui a la morphologie. Le back squat, c'est quand on a la barre donc, derrière la nuque. Puis qu'on descend, c'est le mouvement qu'on voit de manière assez répandue. Et donc, ce qui fait que le squat bulgare, c'est que pour ceux qui ont du mal avec le back squat, peuvent le faire. Et c'est tout aussi bien. D'ailleurs, il a été classé par bodybuilding.com parmi les trois exercices. Meilleur pour scruter vos fessiers. Parce qu'effectivement, le back squat fait travailler les fessiers, mais pas tant que ça. Le back squat bulgare, il fait travailler davantage. Donc si vous voulez scruter vos fessiers, le squat bulgare est excellent. Et il est même pour les débutants, il est pour tout le monde. Voilà, après vous prenez. Commencez avec la jambe plus faible des deux. Donc, si votre jambe gauche est la jambe faible, vous commencez par la jambe gauche. Si vous en faites 10 avec, vous faire la même chose avec les. La jambe droite, pourquoi il faut éviter de créer un décalage entre les deux. C'est un mouvement unilatéral, donc avec un seul côté à chaque fois. Donc faut pas faire 10 d'un côté et 10 de l'autre. Il faut vraiment avoir un nombre de répétitions homogène. Donc si vous faites 10 d'un côté, vous faites 10 de l'autre. Même si avec l'autre, vous pouvez en faire plus. C'est ça que le côté faible rattrape le côté fort. Get your Philly cheese, ain't school, they go crazy when the meat's gon' give it to ya. Wait for you to get it on your own, X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder. Yeah. Fall in line to fall back. Big L's technique, puns, grammar. Before the roof, went in the trunk, the rag top set back behind the heads like the gun hammer. My sickness should remind you. My motherfucking pace.
déjà mon deuxième exercice. C'est habitué. Ça montre que les aspects articulaires, ça demande beaucoup d'énergie. Ça travaille tout le muscle des jambes. C'est plus intéressant. Toujours donner à fond. C'est en souffrant qu'on avance. Descendre jusqu'en bas. Parce que vous avez trop de tension sur vos vertèbres, sur vos lombaires. De toute façon, la tête était assise, c'est de rester en tension à l'ascension du mouvement. C'est là qu'on travaille le plus. Vous restez contracté une ou deux secondes, vous êtes en haut. Vous descendez lentement, mais pas trop bas. Comme je vous dis, c'est pas nécessaire. 4 séries entre 10 et 12, excellent pour les fessiers. C'est l'un des ceux qui cible le plus les fessiers, les glutes brûlés. D'ailleurs, la tête classée lui aussi parmi les 3. Meilleur exercice pour cibler les fessiers par bodybuilding.com. Excellent. Dans cet exercice, il faut aller jusqu'à la congestion maximum sans qu'on puisse plus qu'à la faille musculaire. Enfin, descendre rapidement. Il faut prendre en bas, passer une fraction de seconde et remonter.
que j'insiste dessus, c'est sur, sur le, l'ascension du mouvement, donc sur le haut du mouvement. Aller vite, ça sert à rien. Faut vraiment descendre et monter. Et toujours contrôler. C'est comme ça que tu travailles vraiment efficacement les mollets. Plus si on va vite, on peut mettre beaucoup plus, mais ça a moins d'intérêt. Ce qui compte, c'est vraiment de avoir un travail de qualité. C'est ça le plus important en musculation. Ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right. Là c'est la fin. Putain de séance. Ça a duré 12 heures. Donc voilà. On a tout donné. On a affronté les machines. Et voilà, je suis sorti. Et là frais de votre entraînement, c'est qu'il y a un problème. Il faut sortir cuit chaque séance. Chaque séance, il faut sortir. C'est pas parce qu'on vient à la salle de sport qu'on progresse. On progresse, on l'a tout donné. C'est un peu comme si vous alliez dans une bibliothèque. Vous allez à la bibliothèque, si vous ne lisez aucun livre, si vous n'avez pas étudié à fond le cours, vous ne ressortirez pas plus cultivé. Si vous avez bullé pendant toutes les 2 ou 3 heures au sein de la bibliothèque, vous ne ressortirez pas plus cultivé. C'est pareil pour la salle de sport. Si vous ressortez encore frais, vous n'avez pas tout donné. Vous sortirez plus fort à chaque fois, vous sortirez. La seule façon de réussir et de progresser. A tout à l'heure pour la collation. Un des meilleurs moments du training. Le biberon. Ça c'est le réconfort. Après la guerre. Ah, donc vous avez pu voir un de mes trainings en jambes. Vous avez pu voir un peu à quoi ça ressemble. Bon, faut savoir que c'est un des trainings jambes que je fais. Il change. Quelquefois ça arrive qu'aucun entraînement ne ressemble pas à un autre. Voilà. Voilà, j'en change un exercice par un autre, ainsi de suite. Il faut savoir que tous les 3-4 mois, je change de programme aussi. Alors, j'essaie de ne jamais tomber dans la routine. Ne tombez jamais dans la routine. Ça, c'est l'un des pires ennemis du sportif, tomber dans la routine. Il faut toujours l'éviter le plus possible. C'est pour ça qu'il faut connaître un panel d'exercices. Voilà, il faut constamment s'éduquer. C'est pour ça que ne restez pas sur 2-3 exercices. Il faut toujours augmenter le nombre de techniques que l'on connaît. C'est super important dans votre progression. Voilà, et puis, il faut charger, il faut être ambitieux. Voilà, même si vous rachetez 2,5, c'est pas grave. Mettez 2,5 maintenant. Plus tard, vous allez encore mettre 2,5. Ça vous fera 5 kilos au total. Voilà, il faut toujours avoir l'ambition de charger. C'est comme ça que vous allez grimper la montagne et atteindre les sommets. Et de cette façon-là, n'ayez jamais peur de charger. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est le conseil que j'applique dans mes entraînements. Comme vous avez pu le voir, voilà, il y a le squat bulgare, par exemple, c'est un super exemple. Hein. J'étais à 26 avant le ramadan, je suis à 32 maintenant par haltère. Bon, voilà, bon, pendant le ramadan, on ne peut pas progresser, bien sûr, mais voilà, ça revient petit à petit. Je continue de progresser. 440 à la presse, avant 400, j'en faisais 2-3. Maintenant, voilà, c'est que je suis à 440 en série 10-12. Donc, voilà, c'est en grimpant constamment la montagne et vous pouvez y arriver vous aussi, il n'y a aucun problème. Voilà, il faut juste être ambitieux dans vos trainings. Donc, chargez, n'ayez pas peur de mettre lourd, sans bien sûr négliger la technique, mais voilà, tout pour toujours progresser constamment. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a une communauté qui s'agrandit de jour en jour, donc ça c'est super positif. Voilà, et puis on forme une équipe petit à petit et on s'entraîne dur, voilà, pour atteindre l'ensemble de nos objectifs. Donc moi je vous dis, lâchez pas, entraînez-vous dur. J'espère qu'on se retrouvera dans une autre salle, dans une autre vidéo. Donc à tous mes spartiates, force, foi et courage. It's the only way we know to go. Squad.